l'occasion de procéder à la remise des fonds qui résulte de l'activité bénéfice du tournoi de golf des mers édition de 2014. Je veux juste en profiter aujourd'hui, un, pour vous remercier tous et remercier l'équipe de Montcalm et vous introduire notre nouvelle DG qui commence à être vieille après un an, là, mais quand même qui est moins connue dans la région. Certains d'entre vous l'avez rencontrée. Alors, je vous introduis Nicole Campeau, notre directrice générale. Merci. Merci Martine. Quand elle a parlé de vieille, elle a parlé d'âge. Là, voilà. On est jeunes de cœur. Non, vieille, presque un an. Bon. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je veux vous parler, vous remercier, mais vous parler aussi de la portée de votre action par rapport à Centraide. L'aide dont bénéficient vos citoyens provient d'une dizaine d'organismes de la MRC Montcalm. Vous les connaissez. Peut-être que vous savez moins que l'aide provient aussi de 22 organismes à mandat régional qui sont situés à travers, dans le fond, la région de la Naudière. Et ces gens-là fournissent du soutien à vos gens aussi, à vos concitoyens et à vos concitoyennes. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, Moisson-la-Naudière. Tout le monde ici connaît Moisson-la-Naudière. Alors, c'est un organisme qui est soutenu par Centraide, là, par des implications telles que la vôtre. Alors, pour la MRC Montcalm, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça représente 203 536 kilos de denrées alimentaires qui sont fournies chaque année dans la MRC Montcalm. Et puis, ce qui représente une valeur marchande d'1 070 000. Alors, Moisson-la-Naudière fournit ces denrées-là à des organismes, Saint-Calix, aux Ailes de l'Espoir, à Saint-Jacques, le comptoir alimentaire. La même chose pour Saint-Ligory, Saint-Lin-Laurentide, c'est le service d'entraide, et Sainte-Julienne, c'est la Saint-Vincent-Paul de Sainte-Julienne. Alors, ça, c'est un exemple pour Moisson-la-Naudière. La société Alzheimer, par exemple, dans la MRC Montcalm, ça représente 157 soutiens téléphoniques. Il y a 9 groupes d'échanges qui sont situés à Saint-Jacques là, pour 26 personnes. Et puis, ils ont organisé 3 ateliers de conférences. Il y a un organisme qu'on aime beaucoup, Parrainage civique La Naudière, dont ces deux messieurs-là, là, François et Daniel, font partie, qui ont été nos vedettes de la campagne. Alors, Parrainage civique, si vous les connaissez, c'est un organisme qui jumelle une personne bénévole avec une autre personne qui vit une incapacité physique ou intellectuelle. Ils ont 23 filleuls qui sont parrainés par 16 parrains dans la MRC Montcalm. Alors, c'est des exemples comme ça que je voulais vous apporter. Il y en a d'autres organismes, Bonne Boîte, Bonne Bouffe aussi, qui distribuent des légumes frais à la population. Donc, on le voit, en soutenant Centraide, c'est tout un réseau d'entraide que vous soutenez. Et puis ce réseau-là vient changer des vies au quotidien, là, dans la réalité des personnes. Donc, grâce à votre généreuse contribution, bien, ça permet à Centraide, là, dans le fond, de poursuivre sa mission. Et puis je pense que plus que jamais, quand les temps sont difficiles, bien, est-ce que ce n'est pas le temps de serrer les coudes, de travailler ensemble puis de s'aider mutuellement? Alors, votre implication est la preuve de ça. Il me reste à vous dire un gros merci pour les 60 000 personnes qui sont aidées dans la Naudière. Et voilà. Dans le chemin. Putain, il y a des chaises, on va les ôter, Gilles. Mais non, faut me montrer. Arrête, là, faut pas être fou. Il manque juste la musique. Et un costume de roi-mère. Un beau sourire, on va remettre.